Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Sabil Roussoub, auteur du Nez juif et de Beyrouth entre parenthèses, publié aux éditions de l'Antilope, et de Beyrouth sur Seine, Goncourt des lycéens, publié chez Stock, et avec Olivier Roeux, auteur chez Alia de Défauts d'origine, Terrain vague, et en ce début d'année 2023 de Champs balnéaires. Tous ces applaudissements pour ces deux auteurs, c'est merveilleux. Hein ? Oliver Roeux, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de vos récits, de la façon dont, à travers la littérature, vous racontez le Liban. Grand merci également à Sandra, Marine, Sylvia et Cathy pour l'interprétation en langue des signes. Le Liban, où Oliver est né, où il a grandi jusqu'à ses 17 ans, et ce sont des souvenirs qu'il partage avec nous dans son récit. Sabil, vous êtes né en France, vos parents sont venus s'installer à Paris, vous nous le racontez dans Beyrouth sur Seine, en septembre 1975. Au départ, ils avaient dans l'idée de rester 2 ans. Votre père voulait passer son doctorat de théâtre et de langue arabe à la Sorbonne, mais donc 15 jours après l'arrivée de vos parents à Paris, l'aéroport de Beyrouth fermé. Début d'une guerre civile qui allait durer des années. Ils ne sont jamais rentrés, dans le sens où ils ne sont jamais rentrés s'installer au Liban. Et jusqu'à quelques temps, jusqu'à l'écriture de ce livre, vous ne saviez rien, ou presque, de leur arrivée à Paris, de leur guerre et de la souffrance qu'avait été l'exil pour eux. C'est réaliser ça qui vous a fait abandonner l'idée que vous aviez au départ de raconter la révolution d'octobre 2019. C'est cette prise de conscience que vous ne connaissiez pas finalement l'histoire de vos parents qui vous a encouragé à écrire Beyrouth sur Seine. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être avec Oliver. J'ai lu tes deux premiers livres, pas encore le troisième, mais je connaissais très bien ce que tu faisais, j'adore même. Et non, c'est pas vraiment ça. Moi au début, alors pour faire rapide, donc je suis retourné vivre au Liban mais vers mes 17-18 ans, je suis resté 8-9 ans et puis je suis rentré. Et il y a eu cette révolution en 2019, à ce moment-là donc je vivais en France et voilà, je voulais plus mettre un pied au Liban, sentiment que beaucoup de Libanais connaissent quand on quitte le pays. Et cette révolution m'a un peu... Disons qu'en 2 jours, j'ai pris un billet, j'y suis retourné. Et j'ai voulu écrire dessus, j'ai écrit pour les journaux dessus, et en rentrant à Paris, j'ai écrit 100-150 pages sur cette révolution. C'était une sorte de récit. Et en fait, j'ai arrêté, non pas parce que j'ai réalisé que je racontais la vie de mes parents, mais parce que je ne me sentais pas légitime de raconter cette histoire-là, sachant que je ne vivais plus au Liban, que les problèmes d'électricité et d'eau n'étaient plus les miens, et qu'il y avait d'auteurs libanais qui allaient le faire, et qui l'ont fait d'ailleurs très bien par la suite. Donc l'abandon de ce récit-là, c'était plutôt... de remettre à ma place, d'une certaine façon, en tant que voilà, membre de la diaspora libanaise ou enfant d'exilé. Et donc, voilà. Mais donc, effectivement, après, c'est en échangeant avec votre mère que vous avez réalisé que, ben, il y avait des questions à poser. Effectivement, mes parents sont arrivés en 75 à Paris. Moi, je suis né en 88. Et ils se sont retrouvés donc coincés en France, comme vous l'avez raconté. Et toutes ces années-là, qui précèdent ma naissance, je ne les connaissais pas parce qu'ils ne m'en ont jamais parlé. Et des membres de la famille, enfin tous les autres membres de ma famille ont vécu au Liban pendant cette guerre-là et ils se sont affrontés même, ils faisaient partie de 2 camps différents et les 2 camps ont pris les armes et évidemment personne ne me racontait rien sur ces années-là et j'ai eu envie de découvrir, c'est-à-dire je rentre de la Révolution et tout d'un coup je sens qu'il y a une parole qui se libère, enfin je sais pas, c'est très bizarre pour les gens de ma génération, je sens que après cette Révolution, alors évidemment elle n'a pas porté ses fruits du tout, mais très silencieusement on ose poser des questions, on ose dire des choses qu'on n'osait pas dire avant. Et ces questions-là sur qu'est-ce que vous avez vécu pendant la guerre, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que l'exil a été pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, je me suis senti OK de les poser. Ça, plus le Covid, de voir ses parents peut-être mourir aussi, ça aide beaucoup à accélérer le moment où on se dit, bon, maintenant, il est temps que tu y ailles et que tu poses la question. Même si, et vous le racontez, ça n'a pas été évident au début. Poser la première question était compliqué. La première était très difficile, ouais. J'étais persuadé d'y arriver, j'allais prendre le petit déjeuner chez mes parents, je mettais mon petit micro dans la poche, persuadé que j'allais réussir à poser cette première question très simple, hein. Comment êtes-vous arrivé à Paris? Et c'était impossible, j'ai dû aller 8-9 fois,
avant d'oser et de le faire. Et d'ailleurs, je me suis fait complètement remballer la première fois. Mon père m'a fait des blagues sordides. Mais par contre, une fois que ça s'est déclenché, ça a été très facile. La parole était vraiment libérée. Et aussi parce qu'ils ont compris que je voulais leur rendre hommage à travers cette histoire-là. Et que je ne voulais pas percer les silences qui fâchent de cette guerre. Et vous le dites, je ne souhaitais pas leur faire de mal. C'est-à-dire que dès que vous sentez que c'est sensible, bah vous n'y allez pas, c'est pas le projet. Oliver, je le disais, vous êtes né au Liban, vous y avez vécu et vous convoquez dans ce récit des souvenirs. Le narrateur raconte son quotidien dans une station balnéaire où il arrive à l'âge de 13 ans après avoir quitté Beyrouth Ouest. Je le disais, le narrateur a 13 ans au début de champ balnéaire. Qu'est-ce qui vous a rendu nécessaire, si c'est le mot juste, la nécessité de publier ce texte aujourd'hui? Ça participe de ce que disait Sabine, de cette libération de la parole? Oui et non. Non dans la mesure où j'ai déjà écrit sur la guerre libanaise, donc c'était pas un sujet tabou. Mais je ne l'avais pas abordé sous l'angle du récit, en fait. C'était plutôt des romans ou des romans déguisés, disons. La raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire précisément sur cette période-là, donc qui correspond aux années 85-90 et qui correspond aussi accessoirement à mon adolescence, c'est que c'est pour une raison d'économie, en fait. C'est la période dont je me souviens le plus. Et comme je voulais absolument, je pense que c'était peut-être ma première intention en écrivant le livre, je voulais absolument que réussir à raconter l'ordinaire de la guerre, en fait. C'est à tout ce qui se passe en dehors des batailles. Puisque la littérature, de manière générale, confond l'idée de guerre avec le combat, spécialement vu du point de vue du soldat ou du combattant. Donc là, l'idée, c'était plutôt d'écrire du point de vue des civils, et aussi qu'est-ce qui se passe entre deux batailles, en fait. Est-ce que la guerre persiste, et si elle persiste, de quelle manière? Comment est-ce que vous décririez cette station balnéaire, plus morte à l'automne que Beyrouth Ouest, un jour de combat, une station que les familles désertent en automne, et d'un seul coup l'été qui est à nouveau rempli de familles, même si le narrateur lui reste dans cette station. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots? En fait, le mot station balnéaire est trompeur, en fait, et je crois que c'est sur cette confusion-là aussi que j'ai voulu délibérément écrire. Le mot station balnéaire renvoie en France à Biarritz, à Arcachon. Le lieu dont je parle, ça ressemble plus à un hôtel composé de trois bâtiments avec trois piscines et ensuite un accès à la mer. Et je trouvais que ce décalage-là, en fait, était d'une certaine manière une image de l'effort de traduction que je devais moi-même faire pour écrire une expérience qui s'est déroulée en arabe et de l'écrire en français, en fait. Donc cet espace-là, ce creux-là, était le lieu de l'écriture. Maintenant, sur le décor lui-même, c'était donc comme il y en a eu plusieurs construites avant, mais surtout pendant la guerre, donc des complexes hôteliers qui sont en bord de mer, à 20 ou 30 km de Beyrouth, où beaucoup de déplacés de guerre ont été s'abriter pendant les épisodes de combats ou de batailles majeures. Mais il y avait aussi des gens qui habitaient à l'année, comme c'était mon cas, en fait. On était une poignée de familles qui restaient là, même en hiver, quand les piscines étaient vides et que c'était désertique. Donc il y avait une espèce de dichotomie très marquée entre les périodes de peuplement, presque, et les périodes de désert. Et cette frontière-là était quelque chose qui m'avait beaucoup troublé à l'époque et qui a été un des ferments de l'écriture. Le narrateur qui vit avec sa sœur et sa mère qui le dit, les hommes m'ont tout pris. Ils sont seuls, vraiment. Oui, en fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est que c'est très difficile, en tout cas pour moi, je pense que c'est aussi le cas sans doute de Sabine, de penser à la guerre civile en dehors des familles. Parler de ma famille, c'est pas parler de névrose familiale, c'est parler de la guerre, en fait. C'est comment l'expérience de la guerre est déterminée par la structure familiale. Et la singularité de ma situation était que
J'étais un enfant d'un mariage mixte, donc mon père était allemand et mes parents étaient séparés. Donc dans une famille juste avec une mère célibataire, c'était une très grande rareté à l'époque. Et une mère libanaise qui ne peut pas donner la nationalité. Oui. Ce qui, pour moi, est un des cœurs du livre, c'est que la question de l'étrangeté, en fait, est une question politique majeure, et précisément, elle trouve à s'incarner dans les questions familiales, puisque un couple mixte avec une femme libanaise ne peut pas transmettre la nationalité, donc ça devient un problème politique. C'est pas une question de famille. Ça pose la question de la communauté politique. Qu'est-ce qui fait communauté? Qui en fait partie? Qui n'en fait pas partie? Et on y reviendra bien évidemment davantage dans le détail, mais vous le disiez, c'est l'adolescence, donc c'est le foot, c'est la découverte de la sexualité, et puis il y a les armes. Et finalement, quand le narrateur a 16 ans, la station balnéaire qui devient une branche régionale de la guerre, je vous cite, c'est la guerre dégueulasse, comme Sabine, vous l'appelez dans votre livre. Il y a vraiment cette évolution, c'est-à-dire qu'au départ... dans les mots, le narrateur raconte que la station, c'est là où il n'y a rien. C'est un endroit où il n'y a pas cette guerre. C'est un endroit en dehors. Et finalement, la guerre rattrape le lieu. Exactement. C'est en fait, quand j'arrive en 85 dans cette station balnéaire, qui est à 20 km au nord de Beyrouth, c'est une région qui est relativement épargnée. Il y a eu entre 85 et 89 quelques incursions, en fait, des bombardements anarchiques et arbitraires, mais c'était quand même très rare. En revanche, à partir de 89, de mars 89, lorsque le général Aoun, ancien président de la République, a décidé de faire la guerre à la Syrie, toute la séquence qui commence en mars 89 jusqu'à la fin de la guerre, donc octobre 90, est pour moi la pire de la guerre, en fait, parce qu'elle s'est étendue sur la totalité du territoire, mais surtout à l'intérieur de ce qu'on appelait la région chrétienne. Donc c'est peut-être le moment le plus fratricide du fratricide, où les chrétiens se sont entretués entre eux. Et donc il n'y avait plus de zone protégée. Et donc la station balnéaire est devenue elle-même une branche régionale de la guerre. Donc ce qui était à distance est devenu proche et familier. Sabine, vous êtes née en 1988, en France, donc pendant cette période qu'évoquait Oliver. On le disait, vous avez redécouvert, puisque bien évidemment vous saviez ce qui s'était passé pendant la guerre, mais à travers les témoignages de vos parents, vous les avez interrogés en leur mettant un micro, en leur posant de manière très directe des questions, et puis vous vous êtes appuyé également sur une correspondance, des milliers de lettres, et ça c'est absolument formidable d'avoir ce matériau-là, c'est-à-dire que vous aviez tous les échanges, ou en tout cas une grande partie des échanges de vos parents avec les membres de la famille, et c'est une famille très, très large, on l'évoquera, mais il y a ce groupe WhatsApp famille où c'est une cinquantaine de personnes, et pour votre mère, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous saviez que ces lettres existaient, que cette correspondance existait? Comment est-ce que vous vous en êtes emparé? C'est vraiment les archives familiales qui ont fait que j'ai commencé le livre. D'ailleurs, au début, c'était des photos. Tu parles de quel coin? C'est Jounieh, Jbeil, Kfar Abida, Jounieh. On vient d'un peu plus dans le nord, d'une banlieue chrétienne. Et justement, j'habitais au Liban, donc c'était à 6-7 ans. Je faisais un livre photo en tant que photographe sur le village de ma mère, qui est un village qui était assez épargné par la guerre, qui s'appelle Kfar Abida. Et j'avais envie, au milieu de mes photos contemporaines, mettre des photos d'archives de la famille, parce qu'ils en avaient pris énormément dans les années 60, 70, etc. Et en plongeant dans ces photos-là, j'ai découvert les photos de mes parents à Paris dans les années 70 et 80, mais aussi les photos de la guerre qu'ils avaient cachées, que je n'avais jamais vues, qui étaient au fin fond de pochettes, au fin fond des cartons, vraiment, et où je voyais Beyrouth complètement détruite, où mes parents venaient poser devant, où mes oncles qui faisaient la guerre posaient aussi. Donc voilà, des images que je ne connaissais pas du tout. Et en découvrant ces images-là, je découvrais finalement deux mondes dont on ne m'avait jamais parlé. Ce Beyrouth de la guerre et ce Paris libanais, ce Paris arabe, ce Paris, quand je regardais les images de mes parents, que je n'avais jamais vu ailleurs, ni dans les livres d'histoire, ni dans les livres de photographes. Et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à raconter à partir de ces photos. Au début, j'ai voulu en faire une expo, puis un film, puis finalement rien ne s'est fait. Puis je suis tombé sur ces correspondances, pareil, dans un dépôt, dans une cave. Et là, c'était vraiment des box. Ma compagne peut le confirmer. J'ai quatre grands box de lettres que j'ai mis chez moi à l'entrée,
qui restaient là, je ne savais pas quoi en faire, et c'était des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de lettres que ma mère échangeait avec ses frères qui faisaient la guerre justement au Liban, qui une sorte d'ancêtre du WhatsApp, parce qu'aujourd'hui finalement quand elle communique avec eux sur WhatsApp, j'ai l'impression que c'est une continuité. Malheureusement d'ailleurs, elle emploie même encore les mêmes termes, ils emploient encore les mêmes termes pour parler du pays, c'est souvent les mêmes politiciens qui sont cités, c'est les mêmes problèmes d'inflation, la seule chose qui diffère aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas les bombes qui tombent, ce qui est une grande différence, mais quand même c'est assez dingue de voir que voilà, la crise économique et tout le malheur du Liban dans ces années-là, de 75 à 90, est aujourd'hui en train de se répéter d'une autre façon. Exactement, et vous l'écrivez dans le roman. Le plus surprenant quand je lis ces lettres, c'est que 40 ans plus tard, mes amis et ma famille employaient les mêmes mots sur WhatsApp ou par mail pour décrire leur vie au Liban. Le manque d'argent et de pain, l'inflation folle, le désespoir face à la situation. Et vous écrivez qu'avant la guerre, Beyrouth n'était pas divisée, que les communautés vivaient mélangées. Et vous écrivez qu'après la fin de la guerre, vous avez été surpris quand vous êtes installé à Beyrouth de rencontrer beaucoup de jeunes de votre âge qui ne s'étaient jamais rendus, même pas une fois, de l'autre côté. Oui, ce qu'on appelle de l'autre côté. Et ce qui est assez fou, donc ça, c'est arrivé quand je suis retourné au Liban, c'était vers 2010. Et donc là, j'y suis retourné encore, donc là, c'était pour le livre, donc il y a 2 mois, et c'est fou de revoir à quel point cette phrase de l'autre côté est revenue dans le langage commun. Alors maintenant, c'est plus vraiment, c'est plus chrétien et musulman, j'allais dire, c'est les quartiers pas du Hezbollah et les autres quartiers. En fait, les quartiers du Hezbollah, on n'y va pas quand on fait partie de ce côté-là, et vice-versa. Et c'est fou de voir que cette division existe encore. Alors, c'est pas exactement la même qu'à l'époque, mais oui, c'est surprenant, la transmission de cette peur d'aller là-bas. C'est effrayant. Alors, moi, je viens d'une famille qui... La moitié de ma famille était très communiste, pro-palestinienne, même si chrétienne, donc elle allait beaucoup justement dans Beyrouth Ouest, qu'on appelait de l'autre côté. Et moi, en tant que fils d'exilé, quand je reviens au Liban à 20 ans, évidemment, je n'ai pas les mêmes peurs, la même transmission de cette peur de l'autre côté, et donc j'y allais très facilement, et j'avais été très surpris de voir que plein d'amis à moi, et des deux côtés pour le coup, n'étaient jamais allés, mais quand je vous dis à 200 mètres, hein, vraiment, c'est de là au mur, hein, vraiment, c'est ça qui sépare en gros les deux Beyrouths. Oliver, je vous vois faire oui-oui avec la tête. Oui, parce que c'est les fractures de la guerre ont persisté, en fait. C'est que comme il n'y a pas eu un travail de réconciliation ou d'écriture de l'histoire, les peurs sont toujours les mêmes, en fait. Moi, les amis de ma génération, ce n'est pas exactement celle de Sabil, ont très rarement franchi la ligne de démarcation d'aujourd'hui. Donc, je leur demande, en fait, pourquoi vous n'y allez pas ? S'il y a un problème, en fait. Donc ils ont l'impression de s'ils franchissent la ligne, ils n'ont plus d'appui en fait. Et je trouve ça, et je l'éprouve moi aussi, hein, c'est pas quelque chose qui m'est étranger. Il y a plein d'endroits du Liban que je connais pas, hein, plein. J'ai conservé d'une certaine manière la géographie de la guerre. Moi, dans mes déplacements, quand j'y retourne en fait, je connais extrêmement mal le pays. J'ai jamais été dans le nord par exemple, alors que je pourrais y aller, hein, rien ne me l'interdit. Mais je pense que c'est des héritages en fait de restrictions géographiques dictées par la peur en fait, et qui n'a jamais trouvé de solution puisque la classe politique dont on parle, qui est composée essentiellement d'anciens seigneurs de la guerre ou de leurs enfants ou de leurs affidés, continue d'alimenter cette peur-là pour empêcher la constitution de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté libanaise, quoi. Oliver, en vous lisant, raconter cette adolescence, alors vous disiez que c'était la période de laquelle vous aviez le plus de souvenirs, mais moi c'est toujours quelque chose qui m'impressionne chez les autrices et les auteurs qui convoquent comme ça des souvenirs très précis, des paroles, des scènes. Comment est-ce que très concrètement est-ce que vous avez travaillé l'écriture de ce livre ? Est-ce que c'était des souvenirs que vous aviez notés au fil du temps et que vous avez rassemblés et enrichis ? Est-ce que c'est des souvenirs que vous avez reconvoqués de manière chronologique en vous disant « je vais écrire ce récit et donc je vais essayer de me souvenir voilà, dans l'ordre de mes 13 ans à mes 17 ans » Comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé ce texte ? Peut-être avec une règle au début, c'est de me restreindre à ce dont je me souviens et ce que j'ai moi-même vécu ou mais mon environnement immédiat. Il n'y a pas de fiction, quoi.
L'écriture ensuite, c'est autre chose, mais globalement, le matériau à partir duquel j'écris, c'est l'expérience personnelle, pour aller vite. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose que je revendique, en fait. C'est un autre sujet. La manière dont je l'ai écrite, je pense, j'ai essayé pendant très longtemps de le faire. Hein, c'était très compliqué. Puis il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah, t'arrives pas à raconter 5 années, c'est long. Hein, 5 années de quotidien, c'est très compliqué à faire. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, essaye de te souvenir précisément de l'impression que tu as eue au moment où tu es arrivé dans cette station balnéaire. Et en fait, en me contraignant à faire cette chose-là, j'ai écrit les 4 ou 5 premières pages, et très vite j'ai compris que j'étais en train d'écrire quelque chose au présent, alors que je n'avais jamais pensé à l'écrire au présent. Et l'écrivant au présent, ça me mettait plus près du souvenir, et ça me permettait en fait de déployer le texte, parce qu'autrement je n'arrivais pas à le faire. Et je trouvais presque une justification, peut-être postérieure, mais une justification presque éthique à ne pas l'avoir écrit autrement qu'au présent, parce qu'il m'était très précieux en fait de ne pas m'extraire de ce qu'il y avait autour, c'est de pas me écrire comme un mémorialiste qui observe les événements après coup et qui en distribue l'interprétation et qui en livre une lecture précise. Je voulais simplement que le déjà pour moi-même, les revivre d'une certaine manière, mais je voulais aussi que le lecteur potentiel n'ait pas de jugement, en fait. Que ce soit juste la vie telle qu'elle existe, donc presque en dehors de toute forme de jugement. Et qu'il puisse suivre ce quotidien-là sur 5 années, en fait. Après, pour être tout à fait honnête, sur les 2 dernières années de la guerre, j'ai dû quand même consulter les archives de la presse francophone pour ne pas me planter en fait de genre la bataille de tel truc a eu à tel mois, plus, vous voyez, c'est juste un souci d'exactitude historique, quoi. Mais voilà. Sabile, vous rigoliez, vous racontez dans votre récit comment vous vous perdez dans ces lectures de livres, d'archives, vous écrivez, malgré les notes constantes que je prends sur des carnets pour m'y retrouver, je ne sais plus qui tire sur qui se bat contre qui s'allie contre qui, et vous écrivez encore à un autre endroit, la vie de mes parents, c'est comme la guerre au Liban, plus je m'y plonge, moins j'y comprends quelque chose. Oui, non, mais je rigolais parce que quand tu parlais des 2 dernières années, donc ça doit être 89-90, celle dont tu parlais avec Michel Aoun, et même les chercheurs et les historiens ont laissé tomber le combat tellement qu'ils n'en peuvent plus, tellement que tout le monde se tire contre tout le monde. Même eux, ils abandonnent. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il y a une guerre et on ne sait plus pourquoi les gens se tirent dessus. Et d'ailleurs, il y a pas mal de vidéos de Jar Jar et de Michel Aoun qui disent à la télé en disant on ne sait même plus pourquoi on tire sur l'autre, mais on tire. Parce que c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on s'y perd vraiment, même quand on consulte, on s'y perd, c'est vraiment une espèce de foutoir absolu, et toi tu les as vécues ces années-là, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que c'est vraiment les 2 pires années, et sachant que ça a vraiment touché, comme tu le disais au début, des quartiers qui n'étaient pas touchés, les quartiers chrétiens étaient quand même assez préservés de manière générale, et là vraiment c'était la dernière dévastation, quoi. En fait, c'est les 2 années où... Mais je crois qu'à Beyrouth-Ouest aussi, il y a eu une espèce de symétrie toujours pendant la guerre. Les 3 dernières ou les 4 dernières années de la guerre, ça a été vraiment presque la période capitalistique de la violence, c'est-à-dire où elle s'accumulait en dehors de la volonté des protagonistes, quoi. Il fallait faire la guerre parce que la guerre était là, en fait. C'était un système social, quoi. Voilà. Sabine, on parlait des livres, des archives, puisque bien évidemment il y a les archives familiales, ces correspondances, ces entretiens que vous avez faits, il y a aussi de nombreux documentaires que vous avez vus, des livres que vous avez consultés, des livres dans lesquels vous avez parfois trouvé les noms de certains membres de votre famille. Je pense à cette biographie d'un garde du corps, du garde du corps d'Obeka, oui. Dans lequel vous avez trouvé le nom de votre oncle, et à un moment vous vous dites il faut arrêter, justement parce que tout et n'importe quoi a pu à un moment être écrit, mais ça doit être particulier d'un seul coup, quand on est sur la trace de l'histoire de sa famille, de retrouver ces noms-là dans des livres écrits par d'autres. Oui, clairement, et ça c'est des noms sur lesquels je tombais sur un autre livre que je voulais raconter. Je voulais raconter l'histoire d'un politicien qui s'appelle Walid Jumlat, et donc je m'étais plongé dans tous ses livres de guerre, et donc j'avais lu ce livre, je ne sais pas si tu le connais, de Cobra, exactement. Et Cobra qui était le
l'homme de main, non, de Hbea, qui était un chef de guerre sanguinaire, enfin, comme tant d'autres au Liban, mais celui-là était assez gratiné. Et donc je tombe, en lisant ce livre, sur le nom de mon oncle, en fait, avec qui j'ai grandi, etc. Et comme quoi il aurait commis aussi des massacres, volé des papiers, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ces informations quand, moi, à la différence d'Olivier, je ne l'ai pas vécu, cette guerre. Donc j'essaie de comprendre une guerre que mes parents ont vécue, que mes oncles et mes tantes ont vécue. Donc je me plonge dans les archives, je regarde les documentaires, je lis les livres. Parfois, c'est trop difficile d'interroger les gens, cet oncle-là particulièrement. J'ai pas envie de l'interroger dessus, on a déjà parlé un peu, et le peu de choses qu'il m'a dit, il m'avait fait comprendre qu'il avait organisé, il allait organiser un attentat contre un président de la République et que ça avait raté, et il était dégoûté parce que quelqu'un l'avait fait deux jours avant. Et donc la première fois qu'il m'a raconté ça, je me suis dit, bon, je vais pas aller plus loin dans ces discussions, parce que je sens qu'on va plus jamais se parler après, et je voulais garder le lien familial et d'amour qui existe quand même malgré tout. Et je sais plus pourquoi je dis ça, mais s'il a plongé dans les documentaires, etc., et donc... donc oui, non, c'est très étrange de tomber sur ces noms-là, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc j'ai fait entendre les silences, je pense sur ta génération peut-être un peu moins, mais sur ma génération vraiment beaucoup, quand on pose des questions à nos parents, etc., on fait face à des silences, vraiment tous les gens de ma génération, exilés, pas exilés, enfants d'exilés ou non, peu importe. D'ailleurs que les gens, que les personnes aient fait la guerre ou pas, étaient partie prenante ou non, c'est très difficile de leur tirer quelques mots. Et donc voilà, j'ai réussi avec mes parents à leur faire parler, j'ai réussi à raconter des choses à travers ce que je découvrais dans des livres, mais il y avait ces silences et je voulais faire entendre ces silences. Je trouve qu'ils racontent quelque chose de cette guerre, ils racontent quelque chose de cette transmission pour ma génération, et je pense que de génération en génération, il y a des gens qui voudront percer ces silences-là, peut-être dans 4-5 générations, ce sujet de l'oncle, peut-être un petit-neveu, petit-petit-neveu, dire un jour je veux faire un livre que sur ce sujet-là, et il ira le faire. Pour moi, en tout cas... C'est trop compliqué de le faire, là, pour l'instant. C'est déjà un grand pas par rapport à l'amnésie. Je sais que c'est l'autrice Zaina Ebirechet qui parle beaucoup de cette amnésie à l'endroit de la guerre au Liban. Oui, elle a été organisée, en fait. C'est pas un phénomène naturel, quoi. À la fin de la guerre, en 91, les seigneurs de la guerre ont voté leur propre amnistie. Donc, tous les gens qui ont tué, pris les armes... n'ont pas été inquiétés, et coïncide en même temps le projet pour le moins critiquable de la reconstruction du centre-ville, fondé sur la destruction des traces de la guerre. Donc à la fois ceux qui ont fait la guerre étaient innocents, et les traces même, les lieux même de la guerre disparaissaient. Donc oui, c'est une... et je crois que c'est pour moi le problème majeur du Liban aujourd'hui, en fait. C'est que c'est presque le péché originel de l'après-guerre. Sabil, on évoquait les livres, les documentaires. Il y a un réalisateur qui a été important pour vous. Vous citez l'un de ses films dans votre livre et qu'on n'attend pas forcément à cet endroit. C'est Scorsese. Oui, non, Scorsese, parce que pendant que j'interrogeais mes parents, donc je regardais beaucoup comment les écrivains, les réalisateurs avaient fait pour écrire ou filmer leurs parents, enfin comment ils s'y étaient pris. Donc je regardais beaucoup de documentaires, de making-of, je lisais des interviews, donc il y a Romain Gary, Gabriel Garcia Marquez, etc. Et donc je suis tombé sur Scorsese, son premier film, je ne sais pas si tu connais, Italian American, qui est le documentaire qui filme sur ses parents. Un film incroyable, en fait il prend, c'est son film de fin d'université, et il prend sa caméra, et en fait tout simplement il ne sait pas ce qu'il fait, ça se voit dans le documentaire, c'est génial, mais il pose sa caméra chez ses parents et il sent que c'est essentiel à faire, qu'il y a quelque chose à raconter. Et quand je découvre ce documentaire-là, déjà je comprends toute la filmographie de Scorsese, parce qu'on découvre tout d'un coup qu'il a fait que répéter les personnages de ses parents dans tous ses films. On retrouve vraiment la manière de parler de son père, cette attitude, ses origines-là italo-américaines, ça a vraiment bercé tout son cinéma après, mais aussi qu'il a compris qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui jouait dans cet appartement. Tout comme quand j'interrogeais mes parents, on ne sait pas pourquoi on fait ça. C'est un peu comme quand on écrit un livre, on avance, on ne sait pas trop ce qu'on fait, enfin on essaye, puis on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a fait, puis même quand on l'a fait, c'est toujours très difficile de comprendre la raison pour laquelle on l'a fait. Mais disons qu'en regardant ce documentaire-là, j'ai comme obtenu une mini-réponse, une mini-assurance de « Ah oui, il l'a fait, ça, quand je le regarde, c'est extraordinaire comme film, donc en fait, il faut que je poursuive dans cette démarche de les interroger, même si je ne sais pas très bien où je vais, même si je ne sais pas très bien où va finir cette histoire non plus. » Vous avez évoqué des auteurs à l'instant. Vous racontez aussi dans Beyrouth sur Seine comment est-ce que, contrairement à beaucoup d'autrices et d'auteurs de votre génération,
vos influences, vos références sont majoritairement issues du monde arabe, et que, alors que vous êtes né en France et qu'il y a quelque chose où vous vous sentez intimement relié à ces artistes. Vous évoquez des peintres aussi, des tableaux qui vous ont marqué, et comment est-ce que ce sont ces autrices, ces auteurs, ces artistes-là qui vous nourrissent ? Quand j'étais jeune, c'est effectivement étrange. Tu nais à Paris, tu grandis à Paris, donc on parle souvent des auteurs français, souvent tout le monde les cite. Et moi, donc, j'avais un père prof d'arabe qui lisait énormément, j'avais des oncles qui avaient une librairie au Liban. Donc en fait, j'étais baigné vraiment dans les livres du monde arabe, dans le cinéma du monde arabe, dans le théâtre du monde arabe. Et c'est vraiment ça qui m'inspire, même beaucoup jusqu'à aujourd'hui, et dans l'écriture. Et c'est drôle, tout à l'heure, tu disais sur Champ Balnéaire, ce travail de traduction de l'arabe au français. Et sur mon livre, donc je ne réalisais pas parce que j'écrivais en français, mais effectivement les entretiens étaient faits que en libanais, mes parents ne parlent que libanais, et tout ce qui m'inspire, souvent les documentaires que je voyais, étaient écrits en libanais. Et c'est en lisant le livre audio, parce que j'ai dû lire Beyrouth sur scène en livre audio, à un moment je devais jouer mes parents dans les dialogues, et en fait j'y arrivais pas, et la femme elle me disait mais fais le mieux, et j'étais là mais en français ça marche pas en fait, si je le fais en libanais je vais y arriver, mais en français ça marche pas. Et j'ai réalisé en fait que j'ai écrit un livre traduit, c'est-à-dire que je pense 70% de mon livre c'est du libanais que j'ai traduit en français, et que j'ai traduit comme j'ai pu le mieux possible en français. Et pas du franc, d'ailleurs, pas du franc-banais, pas du français mélangé au libanais, mais vraiment des gens qui parlent que libanais ou arabe. Donc en fait, ce livre-là est étrangement un livre de littérature française, bien évidemment, mais il pourrait être un peu aussi un livre de littérature libanaise ou arabe d'une certaine façon. Et là, quand on est en train de le retraduire en arabe, c'est mon père qui le fait d'ailleurs, parfois il n'y a que à réécouter les entretiens pour retranscrire simplement ce qu'ils ont dit, parce que ça marche beaucoup mieux que d'essayer de retraduire à nouveau et de réinventer une langue à partir du français. Votre père, qui doit être très fier ? Il est fier, oui, il est fier, et je suis très heureux qu'il traduise le livre. On fait ça avec une maison d'édition en plus assez courageuse. Il y a un homme qui a été tué il y a 2-3 ans, là, je ne sais plus exactement quand, Lokman Slim, qui est un chercheur et intellectuel libanais. On dit que c'est le Hezbollah, hein, on ne sait pas très bien qui c'est, mais enfin voilà, il a été abattu de plusieurs balles dans la tête. Et sa sœur, il vient d'une famille chiite, ils vivent dans un quartier du Hezbollah. Donc, lui, il vivait, mais elle y est encore aujourd'hui. Et elle a sa maison d'édition, et elle continue à publier des livres malgré les risques qu'elle encourt. Et elle a pris ce risque de traduire ce livre-là qui ne fait pas de caresse au Hezbollah. Et je lui en remercie de son courage. Et c'est mon père qui traduit le livre. Je trouvais que c'était un juste retour des choses. Voilà, j'ai raconté sa vie. Maintenant, c'est à lui de la remettre en mots en arabe. Et vous avez découvert, en travaillant sur ce livre, des livres que vous ne connaissiez pas, qu'il avait écrits. Oui, c'est vrai. Toute cette vie qui m'avait caché, je ne sais pas si on peut dire caché quand on n'en parle pas, mais en tout cas, il ne m'avait rien raconté de cette vie-là. Il était donc traducteur-interprète. Alors, il vient d'une famille chrétienne, maronite, très, très, très croyante. Mais pourtant, c'est le premier qui a écrit des livres sur l'islam et comment pratiquer l'islam en France. Il a fait toute une collection sur les saints, alors qu'il est communiste et qu'il n'était pas du tout croyant, mais les cinq piliers de l'islam, les grands chefs religieux musulmans. J'ai découvert un autre livre qu'il avait appelé Nos ancêtres les Bougnoules. Donc, ça, il l'avait fait dans les années 80, quand la France avait une sorte de relent raciste énorme qui se soulevait. C'était pour dire, voilà, tous les auteurs français, artistes, etc., qui étaient d'origine étrangère. Donc, ça allait de. Oui, on avait plein, voilà, donc c'est une liste de noms. Et ces recueils de poèmes en arabe qui étaient un peu cachés dans ces caves. Oliver, Sabil évoquait la façon dont les mots de ses parents, d'un seul coup, dit en français, ne sonnaient pas juste. Comment est-ce que, après la partie de collecte, de souvenirs qu'on a évoqué tout à l'heure, comment est-ce que vous avez travaillé l'écriture de ce livre avec des vers libres, des passages où il y a beaucoup de retours à la ligne, des passages où, au contraire, ça développe davantage le récit, justement sur ce souffle, sur cette idée du rythme la dernière partie, les deux dernières années, il y a eu une accélération aussi avec des éléments beaucoup plus courts. Comment est-ce que vous avez travaillé la forme de ce récit ? Je crois que la forme est commandée par la question de la langue. C'est un livre traduit, pas parce que c'est juste de l'arabe vers le français, en fait. L'arabe dont je parle, c'est l'arabe de la guerre, en fait. Donc l'arabe des miliciens, les gestes des miliciens, la manière dont la guerre, en fait, infuse dans la langue, la manière dont on s'imprègne, en fait, de la guerre et on l'exprime par la langue, en fait. Si je devais simplifier, en fait, disons que si on part du principe qu'une guerre civile comme la guerre libanaise l'a été, est une manière de défamiliariser le proche et le familier,
parce qu'on transforme son voisin, son frère en ennemi, il faut le rendre étranger, en fait. Je crois que le stade ultime, en fait, de cette façon d'organiser le monde social, c'est que soi-même, on devient étranger à soi-même. Et donc, le rapport à soi, le rapport à la langue, devient un rapport étranger. Donc cet effort-là, en fait, était à l'image de la traduction de l'arabe vers le français dont je parle. Maintenant, c'est évidemment pas une traduction littérale, c'est une transposition, disons. Après, sur la forme elle-même, je crois que à partir du moment où j'ai décidé de l'écrire au présent et de me cantonner à écrire que le matériau du souvenir, je crois que la scansion m'est venue naturellement. Je ne pensais absolument pas écrire un poème au début, hein. C'était pas du tout ça. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit... Il y a des moments où c'est un poème, il y a des moments où ça ne l'est pas, même s'il y a des retours à la ligne. Je crois qu'au début, ce qui donne le en fait, du texte, c'est un effort de remémoration. C'est, là, si vous oubliez vos clés, vous voulez souvenir comment vous voulez... où vous les avez perdus, vous allez vous dire j'ai pris l'escalier, j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert le frigo, vous voyez. Et le texte commence comme ça, en fait. Et c'est à partir de cette première gymnastique, en fait, du souvenir que j'ai pu déployer le reste. Ensuite, mon deuxième souci d'écriture, c'était de faire feu de tout bois, en fait. C'est de ne pas m'interdire de faire de la poésie s'il le faut, en gros que la forme reste indécidable le plus longtemps possible, en fait. Parce que c'était par cette indécision-là que j'arrivais à écrire ce que je voulais écrire. C'est horrible à dire, hein, c'est presque un cliché, mais c'est vraiment une nécessité, en fait, qui m'a poussé à écrire comme ça. J'ai écrit de la prose jusqu'à aujourd'hui, j'avais aucune raison de me mettre à écrire une espèce de poème hybride, quoi. Donc c'est vraiment à partir de ce fil, à partir du matériau, en fait, que j'en suis venu à écrire une forme... bâtarde, quoi. Voilà. Qui est extrêmement agréable à lire et qui fait entendre, alors sans doute pas avec votre phrasé à vous, notamment, encore une fois, vous parlez de traduction, mais qui nous donne vraiment à entendre, et on imagine bien justement cette façon de lister. Sabil, je le disais, vous avez remporté le concours du lycéen avec Beyrouth sur scène. J'imagine, vous avez fait des rencontres avant d'obtenir ce prix, et vous en avez fait d'autres après l'avoir reçu. Qu'est-ce qui ressortait de vos échanges avec ces lycéens, et est-ce que certains d'entre eux, on peut vous dire ce qui les avait particulièrement touchés dans ce récit, en quoi ça pouvait aussi faire écho à des choses que eux vivaient? Il y avait vraiment deux rencontres très différentes et qui continuent à se passer. C'était les rencontres avec lycéens français en France et les rencontres que j'ai faites avec les lycéens libanais au Liban, un peu partout dans le pays. La réaction par rapport au livre et ce qui a été raconté n'était pas du tout la même. En France, sur le concours des lycéens, c'est celui vraiment là où je peux répondre un peu mieux pourquoi ils ont choisi en tout cas ce livre. C'était les questions d'exil, de guerre, le fait que ça soit un enfant qui interroge ses parents aussi, ça les touchait beaucoup. Une histoire de famille. Quand je dis guerre et exil, c'est parce que la guerre Ukraine, ça les interroge beaucoup en ce moment, la guerre Ukraine-Russie, parce qu'ils ont quand même pas mal d'élèves qui sont syriens, de jeunes syriens qui sont arrivés il y a 5-6 ans en France, 7 ans, et donc ils sont avec eux, et en fait ils n'en discutent jamais. Évidemment, il n'y a pas de question. Quand les élèves me disaient, on ne sait pas pourquoi il est là, lui par exemple, apparemment il aurait quitté son pays, et c'est vrai qu'ils ne savent pas. Donc en fait, finalement, ça répondait un peu à des questions. Pour le Liban, c'était autre chose. Pour le Liban, c'était un plus beau moment de ma vie, je pense, quand j'ai commencé à parler de ce livre. C'était fou. Je rentrais donc dans des écoles, je crois que dans une école où tu es allé, l'école collège protestant à Beyrouth Ouest, ouais, c'est ça. C'était la première rencontre que j'ai faite, donc c'est un quartier en musulman, on va le dire comme ça. On a rarement l'occasion, quand on est chrétien, maronite, etc., de faire des rencontres dans des écoles musulmanes. Et donc j'en ai fait en celle-là et dans d'autres. Et donc ce festival nous permettait vraiment de rentrer dans des écoles avec des élèves avec qui on ne parle pas de cette façon-là, en tout cas où on ne vient pas parler de nos livres. Et c'était dingue parce que, ils avaient entre 15 et 18 ans, 15 et 17 ans plutôt.
On leur avait jamais parlé de cette guerre-là, encore une fois. Leurs parents ne l'ont jamais rien dit, alors que tous leurs parents ont vécu cette guerre. C'était leur première entrée dans, dans ces années-là. Et en fait, ils n'avaient aucun tabou. Alors que les directeurs et les professeurs me disaient « Bon, ben, vous n'allez pas parler de ça, ni de ça, ni de ça. Ben, » Finalement, on parlait de tout au bout de deux secondes, en français ou en arabe, d'ailleurs. On parlait de la guerre, de la religion, d'Israël, de la question juive, enfin vraiment de tous les sujets dont on ne parle vraiment pas. Et ça, c'était vraiment très émouvant de... Je comprenais vraiment pourquoi j'ai écrit ce livre. Enfin, pardon, quand j'allais au Liban et j'en parlais avec ces jeunes-là, il y avait quelque chose qui prenait vraiment sens énormément. Je vous ai entendu dire que c'était quelque part ce livre, la fin d'une trilogie, après les deux titres que j'évoquais au tout début de la rencontre. Pourtant, dans votre livre, vous évoquez déjà d'autres pistes de livres. Vous évoquez le rêve d'écrire un livre autour de la vie du petit frère de votre père. Amine, comment est-ce que vous envisagez les prochains livres parce que j'ai le sentiment que, et pour en avoir discuté avec plusieurs autrices et auteurs, que nécessairement ça reste, c'est présent et qu'il y a tellement mille façons à travers la littérature de raconter un pays qui est le nôtre. Voilà, comment est-ce que ce livre, vous l'avez toujours en tête ou plus du tout? Et comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, le livre en particulier sur l'oncle, c'est l'histoire de son suicide. En fait, c'est un oncle qui a été du côté des phalangistes pendant la guerre, qui a vécu une vie assez misérable et qui a fini par se suicider il y a 7-8 ans. Et donc, j'ai vécu totalement ce suicide-là. Et je crois que j'avais envie de raconter un peu la déchéance de cet homme-là et ce suicide et comment mon père l'a vécu et comment finalement au Liban, voilà, mon père essayait juste de régler les dettes de mon oncle et en fait tous les fonctionnaires le rejetaient parce qu'il ne fait pas partie de la mafia et donc en fait on le traînait de bureau en bureau, enfin, c'était vraiment des moments assez sordides et donc c'est vraiment l'histoire d'un suicide que je vais raconter mais effectivement qui se passe au Liban et qui racontera probablement quelque chose et de la guerre et du Liban de cette époque-là. Sur les autres livres, c'est juste des envies un peu d'ailleurs. Là, le prochain livre, je m'intéresse au Cap-Vert, voilà, mais c'est sur une histoire d'exil, de diaspora. Je crois que j'ai envie de creuser un peu ces questions-là que je raconte sur le Liban un peu ailleurs, parce que j'ai une envie aussi. Après, j'ai envie de raconter l'histoire d'un chef religieux qui a passé de nombreuses années au Liban. Donc, ça reviendra et je sais très bien qu'on ne quitte pas ce sujet-là. Le Liban te revient toujours. J'ai un ami qui est un auteur aussi qui s'appelle Selim Nassib qui pendant très longtemps ne voulait plus écrire sur le Liban et voilà 30 ans plus tard on se remet à écrire, on peut les citer tous hein, mais Wajdi Marawat pendant très longtemps ne voulait pas citer les choses de la guerre, il a commencé par écrire Incendie etc. où il nommait jamais le Liban, il nommait pas une faction, sa dernière pièce de théâtre Mère, il ne fait plus que ça, il fait que parler des phalangistes, parler de chaque rue de Beyrouth, voilà, donc ça nous rattrape toujours à un moment et par contre j'espère que les générations suivantes seront un peu plus libéré de ce que j'appelle un peu un poids, quand même. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir. Et en petite salle, la soirée POL qui débute tout de suite. La